Bonjour, on est le jeudi 20 mai 2021 avec une météo hier qui était complètement pluvieuse. Et comme à l'accoutumée, ces temps-ci, on avait droit même à des. On a eu 3-4 jours quand même de ce qu'on appelle de la grêle. On a eu de la grêle au mois de mai. On a eu de la grêle au mois de mai. Donc tenez-vous bien, donc cette année-ci, c'est une année complètement foireuse au niveau de la météo. On ne reconnaît pas le mois de mai comme on n'a pas reconnu le mois d'avril. Hein, j'ai pensé que, fut un temps, j'ai cru que le temps allait s'améliorer petit à petit, mais il n'en a rien été, puisqu'en fait, il y a eu, ça a tourné voilà, de catastrophe en catastrophe au niveau de la météo. Vent violent, froideur, froideur. Orages, on a eu de nombreux orages avec de la grêle. Et bon, on a eu 3 jours bien sûr par intermittence, 3 jours, ces temps-ci, cette semaine-ci, 3 jours de grêle. Hein. 3 jours par intermittence de grêle, dont notamment, je crois, hier, il a tombé de la grêle. Donc au 19 mai, de la grêle est tombée. Et aujourd'hui, bon, en cette matinée donc du jeudi 20 mai 2021, pour l'instant, il y a une accalmie. Il y a une accalmie, c'est-à-dire si vous sortez, bon, rien ne se passe. Il n'y a pas de pluie, il y a des nuages, oui. Mais le bulletin météorologique dit que il va beaucoup pleuvoir et on attend beaucoup de dégâts au niveau des inondations parce que ça commence à s'accumuler. Hein. Bon, ça pluie, quand ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. À un moment donné, ça finit par détruire. Hein. Ça finit par détruire. Bon, ce qui ne tient pas va finir par tomber. Donc, on va dire, l'eau va finir par faire des dégâts avec ces différentes poussées quotidiennes de grandes quantités d'eau. Ben, va arriver les éléments les moins instables et les moins supposés à tenir face à une foudre d'eau, face à une foudre de vent, eh bien, vont finir par se réduire en cendres. Et on aura des inondations qui vont même se provoquer, enfin qui vont être provoquées dans certaines habitations. Garages, habitations et tout ce qui s'ensuit. Bon, il y en a qui sont déjà inondés du fait ils ont un garage voilà, qui est situé en bas de leur habitation, de la route. Donc ils ont une descente. Ils ont une descente. Ça c'est. Normalement, en bas, on met un petit grillage pour l'évacuation des eaux, mais s'il y a trop d'eau, bon, ça finit par passer dans le garage. Ben, c'est vrai que maintenant, il ne faut pas que ça soit bouché, le grillage, mais ce n'est pas une bonne idée de mettre une habitation en dessous de la route. Hein. Voilà, parce que ce n'est pas une bonne action. On sait très bien que quand les eaux commencent à s'écouler, ben, elles vont aller vers le garage automatiquement. Donc ça fait des dégâts, hein. Ça finit par faire des dégâts, même s'il ne pleut pas fort, même si. Voilà, parce que ça finit par attaquer. L'eau va éroder, va attaquer, va inonder, va pousser. Elle crée des forces de poussée. Voilà, force, elle crée bien sûr des instabilités parce que là où on a de la terre, ben, à force d'être mouillée, ben, cette terre finit par être moelleuse et donc crée un danger pour l'habitation. Sans compter les surplus d'eau que ça peut créer. Et donc, ces surplus d'eau peuvent venir créer de l'humidité ou venir être absorbés par une habitation. Donc, je peux vous dire, les dégâts des eaux, c'est terrible. Hein. L'eau, c'est terrible. Autant mieux s'en protéger dès le départ. Mais le dégât des eaux, c'est terrible. D'autant plus qu'il existe des manières de construire une habitation pour justement éviter tous ces dégâts des eaux. Ben, par exemple, si on prend des murs porteurs, ben, on met du plastique. On peut mettre plusieurs couches de plastique avec des produits hydrofuges et c'est pas coracé. Plus vous allez protéger, mieux c'est. On peut faire aussi pour les drainages, on peut mettre des cailloux. Hein. On peut drainer avec des cailloux. Il existe toute une panoplie pour évacuer les eaux et une panoplie, enfin de panoplie, de veux dire de d'astuces pour évacuer les eaux, mais une panoplie d'astuces pour se protéger des eaux. Les eaux, il faut s'en protéger et les évacuer. Il suffit pas de s'en protéger. Parce que s'en protéger, les eaux vont stagner. On va avoir des eaux stagnantes. Il faut se protéger et créer
Voilà, un drainage. Bon, ceci étant dit, je vais voir l'équation d'une ellipse centrée réduite, mais cette fois-ci, au travers d'une définition. Je vous rappelle qu'il y a 9 définitions, il y en a 9, hein, je les avais parcourues avec vous. Il y a toutes sortes de définitions, hein, il y en a. J'en ai compté 9 en tout cas. 9. Et on peut faire des méthodes de construction par ces définitions. Chacune a sa manière de construire l'ellipse par sa définition. Mais ici, la définition que je veux prendre, bien sûr, vous aurez compris que c'est celle qui est la plus connue, la plus utilisée, c'est qu'une ellipse, c'est un lieu de point. C'est un lieu. Donc, une ellipse est un lieu de point ou un ensemble de points. Je peux dire un lieu ou un ensemble de points. Un ensemble de points, bien sûr, un point, des points appartenant au plan, hein. C'est des points du plan. Et là, c'est juste un calcul à faire pour définir l'ellipse. Donc, et on parlera, ce calcul ne se fera pas en vectoriel. Oui, l'astuce du vectoriel, il y a une très grande astuce dans le vectoriel. Hein. L'astuce du vectoriel, c'est que vous pouvez calculer en analytique ou pas. Le vectoriel, vous pouvez faire de l'analytique ou du synthétique. On n'est pas obligé d'opposer un repère pour faire du vectoriel. Hein. D'ailleurs, la géométrie vectorielle n'est pas de la géométrie analytique vectorielle. Donc, dans la géométrie vectorielle, on utilise des vecteurs sans mettre de repère. Donc, ce qui veut dire que le vectoriel est un passe-partout, si vous voulez. C'est un passe-partout. C'est-à-dire que il est aussi bien utilisable en vectoriel, bien sûr, en géométrie analytique plane ou géométrie analytique dans l'espace. Bon, c'est un passe-partout. Il n'y a pas besoin de mettre un repère pour le vectoriel. Et c'est ça qui est très intéressant pour le vectoriel, c'est qu'on peut faire du calcul sans mettre un repère. Sans mettre un repère. Bon, maintenant, si vous voulez pas, si vous mettez un repère, à ce moment-là, vous pouvez travailler avec du vectoriel. Ben, on peut travailler aussi avec des distances. Hein. On travaille directement avec des distances. Alors, je vous rappelle que si vous avez un complexe, le complexe, on parlera de normes. Si vous avez deux points, on parlera de distance. Mais si on a un vecteur, on parlera de normes du vecteur. Donc, c'est la distance entre deux points. Alors, ici, je parlais en termes de distance. Distance. Bon, je vais définir l'ellipse comme. Voilà, l'interaction de deux distances. Et c'est ça que je vais faire vous montrer dans cette vidéo, c'est de trouver l'équation de l'ellipse par l'interaction de deux distances. Alors, bien sûr, ces distances-là sont données par des points caractéristiques qui sont les foyers. Les foyers. Alors, cette interaction de distance, c'est dont la somme, donc, des distances à deux points fixes appelés les foyers. Donc on a deux foyers pour une ellipse, hein, en tout cas, parce que pour le cercle on n'en a qu'un seul, c'est le centre du cercle. Pour la parabole on n'a qu'un seul foyer. Et pour l'hyperbole, bon, c'est comme une ellipse, hein, c'est simplement à la place d'être intérieure, les courbes intérieures elles sont extérieures. Donc là on a deux foyers aussi pour l'ellipse. Comme elles sont divergentes, pour l'ellipse, la courbe est convergente sur elle-même, il n'y a pas de problème. Par contre, pour l'hyperbole, on a une divergence extérieure, et fatalement, ça va induire des asymptotes. Enfin, ça va induire des asymptotes. Donc, on a deux points fixes appelés des foyers. Bon, donc, je disais, une ellipse est un ensemble de points du plan dont la somme des distances à deux points fixes appelés les foyers est égale à une constante, et cette constante fixée, cette constante est fixée, je dirais même donnée, qui est 2 fois A, et alors A étant positif, hein. Parce qu'on va parler en termes de distance. C'est normal que ce soit positif.
Et comme on fait la somme, une distance est positive, si je fais la somme de deux distances, c'est toujours positif. La distance est une notion, voilà, positive, hein. Je parle ici en termes de distance euclidienne, parce qu'il y a des distances, il y en a beaucoup, hein. Il y a maxi-distance, taxi-distance. Voilà. Il y a plusieurs, on peut définir plusieurs distances. Mais ici, je parle de distance euclidienne. Donc c'est Pythagore. Le fameux Pythagore. Alors pourquoi le fameux Pythagore? Parce que si on... Attention qu'ici, je ne serai pas en analytique. Je vous le dis tout de suite. Hein. Je n'ai pas de repère qui est posé, dans un premier temps. En tout cas, dans un premier temps. Mais je vais faire une démarche inverse. Hein. Je vais faire une démarche. On suppose le problème résolu. Et bien sûr, après, je vais faire une démarche sans repère et puis avec repère. Sans repère et puis avec repère, parce que l'équation, c'est dans un repère. Mais l'ellipse que je prends au départ, bon, je prends l'ellipse, je dis, bon, je peux, à partir de là, trouver des distances, hein. Je peux trouver des distances. Je peux trouver des distances. Alors pourquoi je peux trouver des distances? Parce que la distance entre deux points, le plus court chemin entre deux points, c'est celle qui réunit les deux points par une droite. Donc je fais passer par A et B une droite, et le plus court chemin, ben, c'est celui-là. Vous avez bien vu que je n'ai pas posé de repère, hein. Il n'y a pas de repère de poser ici. Je fais passer, j'ai deux points dans le plan, mon plan s'appelle Pi. J'ai deux points, et pour trouver la distance, ben, je fais passer une droite par ces deux points. Voilà. Alors maintenant vous allez me dire, ouais, mais comment trouver la distance? Mais la distance va être trouvée par une triangle, ce qu'on appelle une triangularisation. Tiens, tiens, c'est bizarre, hein? C'est bizarre. C'est-à-dire que, bon, et la distance euclidienne, c'est une distance, c'est un triangle rectangle. C'est obligé d'avoir un triangle rectangle pour la. Pour trouver la distance, il faut obligé de placer un triangle rectangle. C'est ce qu'on appelle une triangularisation. Donc je peux trouver la distance AB par l'intermédiaire de C. Alors là, ça fait penser au fait qu'on a placé un repère orthonormé. Hein. Bah, parce que voilà, ça fait penser qu'on a placé un repère orthonormé. Pourquoi avoir créé un C? C'est comme si on avait un axe XY rectangulaire. C'est comme si on avait ça. C'est comme si on avait mis ça. Donc, on décompose comme par hasard en deux composantes. Une qui est horizontale, une qui est verticale. Bon, l'horizontalité, c'est par rapport à l'axe OX, et l'OX, elle est généralement horizontale, hein, par rapport à l'observateur, voilà, qui étudie un événement ou un phénomène, ou qui fait des mathématiques, ben, l'axe OX, l'axe X, oui, si je me suis trompé, c'est l'axe OX, et pas l'axe XO. Ouais, c'est XOX, pas XO. Je recommence à ma même erreur là. X. Bon, ceux qui créent un repère orthonormé le créent rarement comme ceci, hein. Avec un angle perpendiculaire, il le crée rarement comme ceci. Bon, ce qu'on fait, on le met comme ceci, on le met droit pour avoir l'observation d'un axe horizontal en face de soi. Bon, c'est comme ça. Bon, on utilise un repère standard où la standardisation est d'avoir un axe horizontal et pour OX et un axe vertical pour OY. Ça, c'est une standardisation. C'est comme ça. On ne prend pas oblique. On prend pas l'axe OX oblique. Voilà. Et d'où la distance, quand elle sera calculée, elle sera pas calculée par rapport à une horizontale. Mais tiens, tiens, l'horizontalité fait référence à ce qu'on est, ce qui est un axe derrière caché. Vous aurez compris que c'est ça.
Donc, ce qui veut dire que pour calculer la distance AB, c'est comme si je devais passer par un espèce, voilà, d'axe horizontal et vertical. On aura, bien sûr, et là vous appliquez Pythagore, AC carré plus BC carré est égal à AB carré. Bon. Alors, écrire ça, ça veut dire que vous devez connaître AC et vous devez connaître BC. Sinon, on ne sait pas mesurer. Mais en tout cas, ça va être une décomposition triangulaire pour avoir la distance. Ça va être une décomposition triangulaire. Or, ça fait penser à un système d'axes qui est posé. Un système d'axes qui est posé. Ah. Donc, ceci étant dit, je vais travailler sur base des distances. Puisqu'en fait, la définition est basée sur une ellipse est un ensemble de points. C'est un ensemble de points du plan. Donc, on a un plan pi dont la somme des distances à deux points fixes appelés les foyers est égale à une constante donnée 2a. Alors maintenant, je vous ai dit que je vais passer d'une ellipse, je vais passer d'une ellipse qui n'a pas de système d'axe à une ellipse qui a un système d'axe. Donc ce qui veut dire que là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rechercher l'équation d'une ellipse dans un repère cartésien. Dans un repère cartésien. Mais la démarche peut débuter par rapport à une démarche où il n'y aurait pas forcément un repère orthonormé. Pas forcément. Mais à partir de ceci, il n'y a pas de repère orthonormé. Je peux intégrer les notions de distance, la notion de distance. Je peux intégrer la notion de distance. Et à partir de là, travailler ces notions par la définition, bien sûr, parce que c'est la définition qui va m'aider. C'est la somme des distances à deux points fixes. Voilà. Bon, les deux points fixes, ils sont fixés. Hein. Ils sont connus, ce sont les foyers. Donc, en tout cas, c'est une donnée. Voilà, on a une donnée. Voilà, on a le foyer F1 et le foyer F2. Bon, ça fait partie, voilà, de ce que l'on connaît. Hein. On n'a pas toutes des inconnues. On aura des équations, mais tout n'est pas des inconnues. Sinon, on ne sait pas faire le problème. Hein. S'il y a trop d'inconnues, le problème il est irrésoluble. Hein. Ou irrésolvable, je sais pas comment on dit. Irrésoluble, irrésolvable, peu importe, on s'en fout. C'est pas ça le problème. Mais je veux dire. En tout cas, l'ellipse de droite où il n'y a pas de repère, ça c'est un repère orthonormé. Hein. Pour le repère de gauche, là j'ai un repère orthonormé, l'axe OX, là on a l'axe OX, elle est centrée, réduite et horizontale, c'est ça que je vais rechercher, l'équation d'une ellipse centrée, réduite, horizontale. Vous la connaissez, hein. Bon, mais je vais essayer de tenter d'y parvenir, je veux dire, par une méthode des distances, par la définition ici. Je vous rappelle qu'il y a neuf définitions, ça c'en est une, mais ce que vous devez savoir, c'est que dans l'ellipse de droite, bien que j'ai pas mis de repère orthonormé, il y a ce qu'on appelle le grand axe et le petit axe. Bon, ça, voilà, c'est connu aussi. Alors, pas confondre le système, le repère orthonormé, le système d'axe, et le grand axe, petit axe de l'ellipse. Hein. Pas confondre les deux. Pas confondre les deux. Alors, maintenant, le tout, c'est de trouver comment on va formaliser le lieu des points P. Le lieu des points P ou M, enfin, c'est comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Mais en tout cas, ce lieu de points dans le système orthonormé qui est ici, OXY, ce point P a on va dire, une ordonnée. Et une abscisse et une ordonnée. Le point P a, par rapport à l'origine, une ordonnée et une abscisse. Donc vous voyez qu'il y a une triangularisation en tout point du point P. Bon, alors, qu'est-ce qu'on dit? Ici, le point P, ce point P là, il n'a pas de coordonnées, j'ai pas de repère. Hein. J'ai pas de repère pour l'instant. Alors, on me dit que la distance de PF1 plus PF2, c'est la définition, PF1 plus PF2 égale à une constante qui vaut 2a. Une ellipse est un ensemble de points. Voilà, on parle
On part voilà, d'un postulat. Une ellipse, c'est une définition. Une ellipse, c'est un ensemble de points du plan dont la somme des distances à deux points fixes appelés les foyers. Donc les foyers sont là. On sait bien que la somme vaut 2a. On le sait bien. Alors, je n'ai rien à rechercher là-dessus. La somme vaut 2a. Ça veut dire que PF1 plus PF2 vaut 2a. Alors je vais reprendre cette ellipse qui m'intéresse, donc sans le repère orthonormé, mais je parle en termes de distance. Donc tout va être fait en termes de distance. Dans un premier temps, parce que la seconde approche, c'est de retomber justement dans un système de repères orthonormé direct. Orthonormé, je m'excuse. Donc, le tout, c'est comment meubler la partie mathématique. Bien sûr, on n'a pas de. Ici, on est, si vous voulez, on est purement en synthétique. Je suis pas en analytique, je suis avec des propriétés là. On va essayer de sortir quelque chose pour retomber en analytique. Bon, et ces propriétés que j'ai utilisées, c'est les propriétés de distance euclidienne. Alors, il faut démontrer que. Enfin, je m'excuse. Ce qu'on sait ici, le postulat qui est tiré de l'énoncé, c'est que PF1 plus PF2, en termes de distance, j'ai dit que j'allais utiliser les propriétés de distance, égale 2a. Donc je n'utilise même pas le vectoriel. Hein. J'aurais pu prendre le rayon vecteur F1P, F2P, travaillant en vecteur. Ici, je travaille même pas en vectoriel. Hein. Parce que le vectoriel, je vous ai dit au départ que le vectoriel ne nécessite pas forcément des axes. Je peux travailler en vectoriel sans axes. Bon, les distances ici, dans un premier temps, ne nécessitent pas des axes. Mais à un moment donné, bon, on se sent perdu quand il n'y a plus d'axes. Hein. Le fait de plus mettre d'axes, ben, on se sent un petit peu perdu. Donc ici, je travaille en distance, mais après, il faut que je retombe justement. Le meilleur moyen, manière de parler ici, c'est en termes de distance, parce que justement, je parlais en termes de propriété de distance et retomber justement sur un système d'axes. Alors que le vectoriel, je peux rester en vectoriel. Hein. Le vectoriel, je fais ce que je veux. Je reste en vectoriel, je fais de la géométrie vectorielle pure, ou de la vectorielle, je retombe en analytique, je peux remettre des composantes suivant un axe x, y. Voilà. Mais ici, je travaille en termes de distance, donc en termes de distance, ben, à un moment donné, oui, je vais utiliser propriété de distance, mais après, je vais retomber sur le. Pour trouver l'équation, je vais retomber sur un système où le repère, ça, je suis obligé, où j'ai un repère. Bien sûr, ici, ça sera un repère cartésien parce que j'aurai l'équation cartésienne en fonction, c'est-à-dire une fonction de x, y. Cartésien, c'est x, y. Voilà, j'aurai l'équation, bien sûr, soit égale 0 ou présentée autrement. Alors, je veux déjà mettre les choses au point. Vous savez que dans un repère orthonormé posé dans le plan, ben, l'équation de l'ellipse, c'est x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. Ça, vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Et ça, c'est l'ellipse centrée réduite, voilà, d'une ellipse. Et maintenant, si vous voulez le mettre à deux variables du second degré, mais c'est b carré x carré plus a carré y carré moins a carré b carré égale 0. Voilà, et ça c'est l'équation de l'ellipse sous forme de f de x, y égale 0. Bon. Alors moi ce que je veux m'intéresser c'est d'écrire l'équation. Bon, je peux écrire les deux, hein, c'est pas un problème. Une fois que vous avez l'une, vous avez l'autre. Je vais l'écrire comme ceci. Mais par l'entremise des définitions ici de distance, par les propriétés, donc je vais faire du synthétique, mais retomber sur de l'analytique si vous voulez. Et justement, en faisant ça, je vais parler qu'en termes de distance. Et justement, je profitais pour voir certaines distances, qu'est-ce qu'elles valent. Parce que je n'ai pas encore parlé de certaines distances. Et ici, je vais faire en sorte de tout connaître sur les distances au niveau de PF1, PF2. On va profiter pour voir tout. Alors, vous savez très bien que. On sait bien où ce qu'on va aller. Hein. Pourquoi? Parce que là, j'ai PF1 plus PF2, mais là, j'ai des carrés. Hein. Donc, faudra que j'utilise les distances carrées.
Les distances carrées. Bon, ceci étant dit, on va faire tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on doit déterminer? Je vais résumer là, ce qu'il faut déterminer pour avoir tout. Donc, j'ai une ellipse. Ses foyers. Alors, cette fois-ci, on va tout connaître de l'ellipse par rapport à F1, F2. F1, F2, un point qui se situe n'importe où. Je l'ai mis au premier cadran si j'avais un axe. C'est comme s'il était situé au premier cadran si j'avais mis un système d'axe. Et ici, voilà, j'aurais pu le mettre à gauche, en bas, à droite, peu importe. Alors, en termes de distance, ça va donner. On sait que le postulat de l'énoncé, on considère comme vrai. On se dit que bon, c'est quelque chose qui est vrai, hein, ce qui nous est donné. Des distances PF1 plus PF2 égale 2A. Ça, c'est l'énoncé qui nous dit ça. Et bien sûr, c'est une somme de distance, donc 2A étant positif. Alors, je vais essayer de tirer PF1, qu'est-ce qu'il vaut? Je vais essayer de tirer que vaut PF1. Je vais essayer de tirer que vaut PF2. Ça, c'est intéressant de connaître. Savoir que ce que vaut PF1, que vaut PF2. Bon. Et là maintenant, je vais passer un axe, système d'axe. Système d'axe. Je vais poser un système d'axe. Parce que je vais quand même travailler en coordonnées. En coordonnées, donc je vais mettre ceci ici. Pour l'instant, je suis en analytique. Analytique, mais pour avoir le restant, je suis obligé de mettre un axe. Voilà. Voilà. Pour le restant, je suis obligé de mettre un axe. Donc, ce qui veut dire que j'ai XY. Parce que il faut que j'évalue les distances. Hein. Et certaines distances. Bon, PF1 plus PF2, j'ai pas besoin d'axe. On sait bien que ça fait la somme fait 2A. Alors, la distance. Que vaut la distance? Ce que je peux évaluer. Bon, je vais reculer un petit peu le PF2 pour mettre une oblique un peu plus oblique pour bien apercevoir les distances. Supposons que F2 soit là. Si je pose un axe, que vaut la distance PF1? Bon, on sait bien que le F1 est situé en 0C. Non, en C0, je m'excuse. C0. F2, sa coordonnée, c'est C0. Bon, j'ai quand même posé un axe. Hein. On va poser un axe parce que c'est vrai que je suis obligé de passer par un système d'axe. Parce qu'apparemment, le F2, je n'ai pas. Pour avoir évalué la distance PF2, ben, je suis obligé de passer par un système d'axe. Je suis obligé de passer par un système d'axe pour voilà, évaluer. Ici, les distances. Alors tout à l'heure, quand je vous disais que les distances, il n'y avait pas besoin de système d'axe, ben, oui, parce que si vous connaissez la distance de là, voilà, par exemple, ça fait 3, en géométrie, vous ne mettez pas toujours un système d'axe, hein, vous connaissez la distance
Là, vous connaissez la mesure qui, cette mesure-là, ben, vous savez mesurer une distance. Une distance, il n'y a pas forcément de système, besoin d'un système d'axe. Si vous avez des, voilà, des éléments autour de, dans le pourtour qui vous indiquent déjà certaines distances, ben, vous pouvez trouver cette distance-là. Du côté ici. Puisque dans ce triangle, vous connaissez 3 et 2. Ben, on n'est pas dans un système, il n'y a pas de repère qui est posé ici. Hein. On a des cotes qui sont données. Donc, par rapport à, je me tiens à des choses qui sont connues dans la figure, mais je peux trouver une distance sans faire intervenir la notion de repère. Par contre, ici, bon, je ne peux pas y échapper aux notions de repère parce que j'ai pas d'éléments autour qui me permettent de donner certaines distances. Il n'y a rien qui permette de donner des notions de distance, si ce n'est qu'à part que le F2 est situé pour l'ellipse réduite en C0 et pour F1. En moins C0. Alors, ceci étant dit, donc ça veut dire que je suis obligé de passer par un système, un repère orthonormé. Donc je pose un repère orthonormé. Bon, je pensais m'en sortir sans, mais en fait, bon, comme j'ai pas d'éléments autour qui peuvent m'aider, ben, donc je suis obligé de mettre un repère orthonormé. Si j'avais eu des éléments autour de moi, enfin autour de la figure qui permettent de donner certaines distances que je n'ai pas cherché à calculer, moi, bon, qu'est-ce que je fais? Ben, je ne mets pas de repère autonome. Mais si je suis obligé de chercher des distances, donc il n'y a aucun élément autour de l'ellipse qui permette de trouver quoi que ce soit. Donc là, je suis obligé de mettre un repère orthonormé. Bon, ben, on va essayer de trouver ça. Que vaut la distance? PF1. Mais la PF1, là on a X. Et là, on a moins C. Et en hauteur, on a Y. Ce qui veut dire que la distance, ce sera x moins x1, x2 moins x1, donc x2 c'est x, moins x1 c'est moins c, x2 moins x1 c'est x moins moins c, bien sûr au carré. Et la distance en y plus y et le f1 étant 0. Donc c'est y moins 0 au carré. Et là, ça, je vais mesurer pf1, mais au carré. Donc c'est x plus c au carré plus y carré. Bon, je vais le réécrire. Alors, n'oubliez pas, faut pas perdre de vue ce que je recherche. Hein. Je vais rechercher PF1. Et je vais rechercher PF2. Et tenter de donner la meilleure expression de PF1. PF2, c'est surtout ça. Parce que les expressions, je peux en donner beaucoup, hein, des relations, je peux en donner beaucoup, mais bon, le tout, c'est de trouver la meilleure expression par rapport à ce qu'on connaît. Ce qu'on connaît, voilà, c'est surtout ça. On va peaufiner les écritures pour reprendre ce qui nous intéresse le plus. Donc, c'est x plus c au carré plus y carré. Donc ça, on a déjà PF1 carré. Je vais faire la même chose pour PF2. Alors, je vais enlever ce qu'il faut. Voilà. Maintenant, je vais faire pour PF2. Alors, PF2
c'est toujours y moins 0. Donc au niveau des y, ce sera y carré. Et là, il faudra faire la distance ici. C'est la distance là qui est x. X moins c. X. Bon, ça c'est c, je m'excuse. Ça c'est c. Ça c'est x. Donc la distance voudra c moins x. C moins x, ou x moins c, parce que il est au carré. Plus y moins 0, c'est y carré. Ça, c'est la distance PF2 au carré. Voilà. Là, ça commence, on commence à déjà. C'est des bonnes relations qui permettent de trouver déjà PF1 carré, PF2 carré. Je vais l'écrire. C'est x moins c au carré plus, c'est presque les mêmes écritures, hein, c'est plus c et l'autre c'est moins c. Bon, je vais quand même mettre c moins x pour éviter. Bon, normalement il devrait rien avoir parce qu'il le met au carré, mais je vais quand même respecter l'écriture c moins x. Donc ça, vous savez très bien que c'est le triangle F1P, P', et le second, c'est P', F2. On a deux triangles. Triangle P', F1. Triangle PP' F2. Mais ça, c'est déjà très bien comme écriture, c'est une très belle relation. J'ai obtenu les carrés. Bon, pourquoi avec les carrés, je peux avoir. Quand vous avez le carré, on peut avoir la somme et la différence. Hein. Et donc, si je la somme la différence de PF1 et PF2, je peux trouver PF1 et PF2. Alors, je vais tirer une ligne. Et je vais faire la différence des deux. Donc vous voyez que ce sont des triangles, hein. C'est une triangulation, c'est des triangles rectangles parce que ce sont des questions de distance, hein. C'est des triangles rectangles. Enfin, je dirais même plus, triangle rectangle, triangle rectangle. Alors, je vais faire la différence des deux. Si je fais PF1 carré moins PF2 carré. J'aurai le y carré va tomber. Vous voyez que le y carré va tomber. Donc il va rester x plus c au carré moins c moins x au carré. Je vais développer ça. X carré plus 2 CX plus
c carré moins c carré moins par moins. Alors moins, je vais mettre directement le carré, ça fait plus x carré, ce qui fait moins x carré. Alors le double produit c'est moins 2cx avec un moins devant, c'est plus 2cx. Donc x carré moins x carré il tombe, c carré moins c carré il va tomber et il va rester 4cx. Tiens tiens, c'est magnifique. Alors c'est bon, c'est le donc ici il dépend plus que de x, il dépend plus que de x. Mais avec ça je peux faire quelque chose fameusement. Je peux faire quelque chose. Ça va me donner. Parce que, attention que la somme par postulat, ça fait 2a. Hein. La somme par postulat, ça fait 2a. Je vous l'ai dit, c'est un postulat qui est posé ici. Hein. On dit que par définition, c'est la définition qui donne ça. La définition donne ça. Donc ça va venir se rajouter à ce que je viens de trouver. Donc j'ai PF1, PF2, mais j'ai aussi PF1 carré moins PF2 carré, donc je sais trouver PF1 moins PF2. Donc, connaissant PF1, PF1 moins PF2, PF1 plus PF2, je peux trouver PF1 et PF2, c'est le but de la manœuvre. Voilà, j'ai déjà PF1 plus PF2, ça fait 2A. Je vais chercher celui-là. Sachant bien sûr que PF1 moins PF2 carré, c'est PF1. C'est PF1 moins PF2 au carré égale. Produit remarquable, c'est PF1 plus PF2 fois PF1 moins PF2. Donc ces deux équations aussi vont énormément m'aider. Bien sûr, là c'est une différence. On sait bien que PF1 moins PF2 au carré, ça fait 4cx. PF1 plus PF2 vaut PF1 moins PF2, ça veut ben, je sais trouver PF1 moins PF2. Et là maintenant, je ramène une troisième équation. Maintenant, je vais rassembler les équations. J'en ai trois et ça suffit pour trouver. Maintenant, je vais pouvoir trouver ce que cherchais je demandais au départ. C'est-à-dire, je cherche PF1, PF2. Je cherche PF1, PF2 par l'entremise de trois équations. Alors, ces équations, je vais les résumer. J'ai les deux, ces deux-ci. Mais j'ai celle que je vais trouver ici, qui est PF1 moins PF2 et celle-ci vaut, je vais vous le dire tout de suite, qu'est-ce qu'elle vaut? Bon, je vais d'abord mettre de l'ordre ici parce que c'est vrai que
De ça. Ici, je suis pas obligé de mettre la parenthèse. Donc on a trois équations, dont la dernière vaut 4cx sur 2a. Voilà, c'est 4cx divisé par 2a, vous avez PF1 moins PF2, vous faites passer voilà, 2a à gauche, dans le membre de gauche, ou si vous voulez vous divisez par 2a, parce qu'il y en a qui n'aiment pas dire on fait passer, on divise par 2a hein, dans chaque membre. 2a étant strictement positif, je peux diviser par 2a, il n'y a pas de problème. Mais si vous faites 4 divisé par 2, ça fait 2, et il va rester 2c sur x, 2c sur ax, 2c sur ax. De c sur a x. Alors, grâce à celle-là, je peux trouver celle-là. En combinaison, bien sûr, avec celle-là. Donc, mais c'est surtout la 1 et la 3 qui vont m'intéresser. Parce que, donc, vous voyez que ça, c'est un passage intermédiaire pour trouver à partir de PF1 carré moins PF2 carré. C'est un passage intermédiaire pour trouver, si vous voulez, PF1 moins PF2 en passant par PF1 plus PF2. Connaissant la somme, je peux trouver la différence par l'entremise d'un carré. Donc, ce qui va m'intéresser le plus, vous aurez compris que c'est la 1 et la 3, parce que je cherche PF1, PF2. Or, connaissant la somme et la différence, je peux trouver. PF1, PF2. Donc, je vais enlever l'intermédiaire qui a permis de trouver la différence. Et je vais travailler avec la 1 et la 3. Là maintenant tout devient simple. Hein. Tout devient simple. Il suffit que je fasse l'addition des deux équations. Pour résoudre cette équation de distance. Je fais l'addition des deux. J'aurai 2 PF1. 2 PF1. Le PF2 il tombe, ce qui veut dire que j'aurai 2A plus 2. Tiens, ici il me semblait que le X était au-dessus. C'est 2C sur AX à mon avis. Ouais, c'est 2C. Non, c'est pas 2C AX. Hein. 2C sur A. Ouais, 2C sur A fois X. 2C sur A fois X. 2C sur A fois X. Ouais, j'ai inversé le A et le X. C'est X sur A. Parce qu'il me semblait que le X est au numérateur. Hein. Bon. Voilà. Alors, je vais faire celui-ci. Là aussi, j'ai fait une inversion. Donc, ce qui veut dire que le x est au numérateur. Bon, c'est le a qui doit se trouver au dénominateur, et pas le x. Et là, si je fais la somme, ça fait 2c sur a x. Voilà. Je vais diviser le tout par 2 pour avoir PF1 et non plus le double de PF1. Voilà. Ce qui veut dire que j'ai A plus C C sur A, mais il dépend toujours de X. Hein. Il dépend toujours de X. Alors maintenant, je vais écrire que vaut le PF1 et je vais chercher mon PF2. Chercher mon PF2. Je vais le remplacer dans une des deux équations du dessus. Donc voilà le PF1. PF1 c'est ceci. Il vaut A plus C sur A X. Pour toute ellipse c'est vrai. Hein. C'est toujours ça. Enfin, l'ellipse réduite. Hein. Pour toute ellipse réduite, ben, le PF1, la distance PF1 que vous avez
Voilà, de P à F1, ben, il voudra toujours ça. Hein. Ce sera le A plus A sur C, X fois X. Et X est un point, voilà, où vous calculez, où se trouve le point où vous calculez par rapport au foyer. Alors maintenant, je vais rechercher par rapport. C'est C que j'ai mis là. Je l'ai mal écrit, mais c'est C. Alors maintenant, je vais rechercher PF2. Bon, connaissant PF1, je vais le faire par rapport à la première. Hein. Bon, je peux le faire par rapport à la seconde. Je dois faire plus PF2 égale 2A. Plus PF2 égale 2A. PF1, c'est A plus C sur A, X plus PF2 égale 2A. J'écris tellement grand que je vais réduire ça. Ce qui veut dire que le PF1, PF2, je m'excuse, je suis en train de chercher PF2. C'est égal à 2A moins A plus. Je vais les recopier directement, c'est beaucoup plus simple. Il faut enlever ceci. Faut enlever le PF1. Et si vous calculez ça, normalement, vous devez avoir le PF2. Et puis je ferai, j'irai sur GeoGebra vérifier tout ça, tous ces résultats bien sûr, mais avant toute chose, bon, on va mettre au même dénominateur, ce qui veut dire qu'on aura 2a carré moins a carré moins cx, le tout sur a. Alors 2a carré moins a carré, ça fait a carré moins cx, le tout sur a. Voilà. Alors je vais les résumer, puis je vais aller changer. On va déjà voir. Après, je ferai l'équation. Hein. Je ferai l'équation de la conique. Mais je vais déjà vérifier ça si c'est bon. Je vais résumer le PF1. Qu'est-ce qu'il vaut? Voilà le PF1. Bon, j'ai pas encore terminé parce que je dois mettre l'équation par après. Mais je vais vérifier d'abord, dans un premier temps, si ce que j'ai écrit, bon, je raconte pas des bêtises, bien sûr. Donc il faut que je vérifie les tenants et les aboutissants de ceci. A carré moins cx sur a. Bon, ben, voyons voir. Hein. Je vais le faire avec GeoGebra. GF1, PF1, PF2. Donc après, je pourrais trouver l'ellipse en faisant, normalement, en faisant, j'irai rechercher les carrés. Parce que c'est une histoire de... Bon, alors je verrai par après comment on fait pour faire l'équation réduite, mais d'abord voyons voir si ça c'est bon. Alors je
poser un repère. Mets ta curseur. On va aller de moins 50, 50. Voilà, ça c'est le A. Et un second curseur qui est le B. Moins 50, 50. Alors, je vais créer l'équation x carré. Ça, je vais le trouver. Hein. Mon but, c'est de trouver ça, mais dans un premier temps, je vais vérifier si ce que j'ai marqué est bon. Voilà. Là, j'ai un cercle parce que A égale 1, B égale 1. Alors, je vais placer les foyers. Ce sont les foyers, bon. Foyer, c'est avec sans S. Voilà. Les foyers varient bien. Bon. Alors, je vais poser maintenant un point sur l'ellipse. Mettre un point. Quelconque. Bon, je vais passer au premier cadran. C'est pas un problème. Et alors, maintenant, je vais aller chercher la distance. Je vais mettre un segment de A à C et de C à B. Je vais chercher la distance. A, virgule C, 42, distance B, virgule C, 3,58. On va regarder ça maintenant. Alors, AC, distance AC, c'est PF1, A plus C sur AX. A plus C sur AX. A plus C sur A fois le X. C'est 2,79. C'est le point X de C. Ouais, je sais pas pourquoi il veut pas calculer ça. On va recommencer. A plus C sur A fois 2,79. Division illégale. Pourtant, le mot A est différent de 0. Pourquoi il ne veut pas faire le A plus C? Ça, il l'a pris. Ah, oui. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est que le C. Oui, le problème, il était là. C'est A divisé par le C. Mais le C, c'est le foyer. Le foyer, il est où? C'est 5,2. Divisé par 5,2. Fois 2,79. Il y a un petit problème parce que
Je calcule par rapport à A. C'est assez, assez. Bon, le C, il est en moins 5,2. Et le X. Donc, distance AC. A plus A sur C. Le foyer est en moins 5,2. Bon, c'est qu'il y a une erreur quelque part, hein. Je vais aller corriger ça. Ah ouais. C'est C sur AX, et pas A sur C. C sur A. C sur A, j'ai fait une inversion malencontreuse. C sur A, il est bon là. C sur A, ouais, j'ai mis C sur A partout. C'est moi sur GeoGebra qui met A sur C, mais c'est C sur A. Donc c'est moins 5,2 divisé par C. Ah ouais, le C divisé par X. Non. A plus C sur A X. C sur A X. A plus C sur A. Le C c'est moins 5,2. A. Et le X c'est 2,79, c'est le point C. Et voilà, 3,58. C'est la distance. C'est le segment CB. Je pense avoir trouvé le segment AC. Parce que j'ai pris moins 3,50. J'ai pris moins C. C'est bizarre. On trouve CB. Alors que j'ai pris la distance. CB, c'est bizarre ça. Je pensais qu'il m'aurait donné CA. Étrange, étrange. Il me donne CA à la place de CB. Enfin, il me donne CB à la place de CA. PF1, pour moi, c'était. Hey, PF1, il devait me donner. C'est étrange. Pourtant, le A est bien en moins 5,2. Étrange, étrange, parce que je pensais trouver avec le moins, je pensais avoir le CA, mais avec le moins, il me donne le CB, et avec le plus, il me donne le CA. Alors que bon, distance AC 8,42, mais là j'ai mis 8,42.
Donc ici, j'ai même pas besoin d'avoir ça parce que... Oui, ça va être la même chose, regardez bien. PF2, si je divise par A, ça fait A moins C sur A, X. Alors, quand 2, je mets moins 5,2. Normalement, je devrais avoir PF1. Mais il me donne PF2. Voilà. Ce qui veut dire que... On va résumer ça comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut regarder. Il faudrait regarder ça comme ça. Donc, ça, je vais l'enlever. J'ai pas besoin. Ça veut dire que le C, il est positif. Et si vous utilisez plus ici, vous aurez PF1. Et si vous utilisez le moins, vous aurez... Le C, vous devez le prendre positif. Toujours. Il est toujours positif pour celui-là, le C est positif. Et pour celui-là, le C, il est positif. Mais si vous utilisez le plus, vous aurez PF1. Si vous utilisez le moins, vous aurez PF2. Et c'est ce qui se passe ici. Si j'utilise le plus... J'ai 8,42, 8,42 c'est AC. Ouais. Le plus c'est AC. Le plus c'est AC. Et AC pour moi c'est bien PF1. Pour moi AC c'est ça. A. C sur GeoGebra. Donc ça c'est PF1. C'est PF1. Or si vous utilisez le plus vous avez PF1. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Si vous utilisez le plus, vous avez PF1. Si vous utilisez le moins, vous avez PF2. Voilà. Mais c'est d'office tout le temps positif. C'est toujours positif. Et bien maintenant, avec ça, je peux trouver l'équation de l'ellipse. Bon, je pourrais le faire avec un autre point, mais voilà, je l'ai fait avec... Voilà, je l'ai fait avec un seul point. Je ne peux calculer qu'un autre point. Vous pouvez le faire vous-même, hein. Je veux dire, vous faites un tableau, vous regardez, vous allez voir que la relation elle est bonne. Hein. J'aurais pu mettre un curseur aussi. Hein. Je mets un curseur et je vérifie. Pour tout un ensemble de points, mais bon, je l'ai pas fait ici, je l'ai fait, je vous dis, je l'ai fait pour un point. C'était juste pour voir si la relation était bonne, c'est tout. Donc maintenant, vous connaissez la relation qui existe entre un point et le foyer, hein, c'est ce que je vous ai donné là. Mais il faut toujours compter, c'est positif. Alors vous aurez AC, si vous voulez AC, c'est PF1, il faudra mettre un plus. Si vous voulez celui-là de gauche, il faudra mettre un plus. Si vous voulez celui-là de droite, vous devez mettre un moins, mais l'expression est la même. Voilà. Bon, maintenant je vais chercher l'équation. Donc de l'ellipse. À partir de, du PF1. À partir du PF1. Bien sûr. Et en PF1. On sait bien qu'on a des carrés dans l'équation réduite, hein, donc il faudra remettre tout PF1 au carré. Donc je vais mettre PF1 au carré pour essayer de trouver l'équation de l'ellipse.
Pourquoi vous allez me dire? Ben, parce que PF1, c'est tout simplement. PF1, c'est ceci, hein, c'est assez carré. Enfin, c'est assez. Mais moi, je cherchais assez carré, pas comme ça, j'aurais ceci au carré plus ceci au carré. Sachant qu'aussi, là, on a B. Là, on a A. Et si je mets A comme ceci, mais on a le fameux foyer C. En d'autres termes, C carré plus B carré est égal à carré, c'est un triangle rectangle, hein. A carré est égal à B carré plus C carré. Ça veut dire que C carré, mais connaissant A, je peux trouver C carré en connaissant A et B. C'est A carré moins B carré, bien sûr, pour A plus grand que B. Pour A plus grand que B. Sinon, vous avez une ellipse verticale. Là, c'est le contraire. Hein. C'est B carré moins A carré pour garder le C carré positif. Enfin, pour avoir le terme de droite positif. Et A carré doit être toujours positif. Hein. Et C carré étant bon, positif, donc ça doit induire à droite A carré moins B carré positif pour A plus grand que B. Mais B carré moins A carré positif pour B plus grand que A. Mais si vous avez B plus grand que A, on a l'ellipse verticale. Et non plus horizontal. Et donc avec AC carré, je peux trouver. Enfin, ici c'est AC carré, mais PF1 carré, je peux trouver l'équation de l'ellipse. Alors je vais le faire tout de suite. Normalement, avec ça, il y a moyen de le trouver. Rien qu'avec PF1. PF1 au carré, c'est égal à A carré plus 2, A sur A ça fait 1, C, X, je fais juste le carré de ceci, hein. Donc je mets ceci au carré, je fais juste ça, je fais le produit remarquable, A sur A ça fait 1, C, X, plus C carré A carré X carré. Alors, bien sûr, oui, PF1 carré, il est là aussi, hein. Je vais l'égaler à ça. C'est aussi ça par rapport PF1 carré, voilà, exprimé par rapport à x et y, il est là, hein. Parce que je dois l'exprimer par rapport à x, y aussi. Donc je dois l'égaler à ça. À ça. PF1 carré, c'est égal à. Là, je n'ai que du x. Est-ce que c'est PF1 ou PF2 ça? Je l'ai mal écrit. PF1.
Ouais, PF1, c'est x plus c au carré. C'est x plus c au carré. Parce que je l'ai mal écrit dans l'autre. Donc c'est x. X plus c au carré. C'est les deux expressions de CF, de PF1. Hein. Il y a deux expressions comme ceci. Plus y carré. Et là, maintenant, je ramène un y carré parce que je ne le trouvais pas où ce qu'il était. Mais effectivement, il faut aller le rechercher dans l'autre. Parce que sinon, bon, on n'aura pas le y carré. Et là, maintenant, je peux égaler parce que c'est, il y a une égalité parfaite entre les deux. Et ceci va nous donner un petit calcul. Tout d'abord, je vais faire une copie. En, bien sûr, en éliminant le superflu, parce que la copie me ramène du superflu. Donc, 2CX. 2CX. Plus C carré, je remets le carré. Sur A carré, X carré. Égal à, et l'autre je vais le mettre directement, je vais le mettre directement celui-ci au second degré, enfin je vais faire le produit remarquable de x, ça fait x carré plus 2 cx plus c carré plus y carré. Là, je réunis, en faisant ça, je réunis le x et les y. Hein. C'est juste ça, c'est pour ça que, bon, hein, quand je vous disais, ouais, c'est égal à c, à c carré, oui, mais il faut réunir par rapport à xy, là, le xy qui est le point c ici. Bon, ben, dans mon démonstration, mon point c'est xy, hein. C'est pas le point c, c'est dans mon démonstration, c'est p. Dans mon démonstration, le a c'est f1. Voilà. Et dans ma démonstration, le b c'est f2. Voilà. Donc je réunis le AC carré, on connaît l'expression, il n'y a pas de problème, mais je réunis par rapport à là je n'ai qu'une expression en x pour AC carré. Et là qu'est-ce que je fais? Ben, je fais intervenir ceci pour faire intervenir l'expression voilà, de Pythagore, donc qui va faire intervenir le y. C'est juste pour ça, parce que sinon je n'ai pas de relation x-y. Donc c'est astucieux ça, de faire ça. C'est astucieux. Parce qu'on se demande où est le y, mais le y maintenant il apparaît. Alors, je vais simplifier ce qui est simplifiable. Le double produit de CX, de CX, il va rester X carré plus Y carré égale A carré non, je me suis trompé. Bon, je vais faire une nouvelle page parce que je me suis trompé, parce que ici je vais tout faire sur un ticket de tram, mais ça m'intéresse pas. C'est comme ça qu'on se trompe facilement. C'est quand on fait tout sur un ticket de tram. On voit plus rien. Hein. Tout est écrasé. Donc je rassemble les x carrés ensemble. Donc j'aurai c carré. Je ramène tout à droite. C carré sur A carré X carré moins X carré moins Y carré égale C carré moins A carré. Je vais mettre tout des plus, donc j'aurai x carré, voilà, ça fait 1 moins c carré sur a carré plus y carré et je prends l'opposé qui vaut a carré moins c carré. Dernière ligne, vous voyez la fin, hein, vous voyez la fin, ça commence à en voir
La finalité, regardez bien. On voit bien l'équation qui apparaît. Elle apparaît facilement. Il me reste à enlever les dernières lignes. Alors, que vaut a carré moins c carré? A carré moins c carré, ça fait déjà, normalement, a carré. Si je fais c carré moins a carré, ça fait moins b carré. Donc, a carré moins c carré, ça fait b carré. Donc, a carré moins c carré, ça fait déjà b carré. Ça fait déjà b carré. Donc celui-ci, je peux dire que je peux poser que c'est b carré, c'est le fameux b carré. Ça c'est b carré égale y carré plus x carré, et là on aura a carré moins c carré, le tout sur a carré. Et là ça fait, vous reconnaissez de nouveau b carré sur a carré x carré plus y carré égale b carré. Et là vous avez trouvé l'ellipse, hein. Enfin, c'est l'ellipse, l'équation réduite de l'ellipse, elle est là. On la voit apparaître. Regardez bien. Je vais tout diviser par b carré. Si je divise tout par b carré, ben, on a x carré sur a carré plus y carré, je divise par b carré. B carré divisé par b carré, ce qui fait 1. Et voilà l'équation réduite de l'ellipse au travers de la notion de définition de distance. Donc ça a été un petit peu, je veux dire, c'est quelque chose un petit peu qui est un petit peu long pour trouver cette fameuse équation. Ça demande de résoudre, voilà, des distances et d'aller chercher que vaut PF1, PF2. Mais attention qu'ici vous voyez ce que vaut PF1, PF2, hein. Voilà, PF1 plus PF2 ça fait 2A. PF1 carré moins PF2 carré, c'est 4CX. Oui, ici je peux le démontrer. Ici. Enfin, je peux le montrer. Alors, oui, ceci je peux vous le montrer. Maintenant que j'ai tout. PF1 carré moins PF2 carré. Alors, je vais éliminer tout ça. Alors PF1 carré, c'est distance A virgule C carré moins distance B virgule C carré. Bon, je fais PF1 carré moins PF2 carré qui vaut la page là. 4 fois C fois X. Alors le C, je vais aller chercher, c'était 5, 2. Et le X, c'est 2,79. Et voilà. Bon, j'ai 58, 6, 58, 3. Bon, 0, 3, 0, 3. Il y a un centième de. Voilà, c'est donné au centième. Voilà. Donc là, ça c'est PF1 carré moins PF2 carré.
pourrais même trouver PF1 carré plus PF2 carré, hein, ça, sans aucun problème. Alors, mais ici, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai PF1, PF2, je peux trouver les carrés. Donc, j'ai PF1 plus PF2 égale 2A. Bon, ça, c'est évident. Mais je peux les mettre tous, hein. Bon, je vais les résumer. J'en ai déjà un ici. Je dirais même deux. J'en ai deux. J'en ai deux. J'ai PF1 plus PF2. PF1 carré moins PF2 carré. Je vais aller chercher. Ici j'ai ça c'était résolu. Normalement j'ai trouvé bon, je vais effacer ce que je n'ai plus besoin parce que normalement c'est la suivante. Voilà. Là, j'ai PF1 plus PF2, PF1 moins PF2. Je vais les reprendre. Donc, ce que j'ai besoin. PF1 moins PF2, 2C, 2CXA. 2CXA. Attention que le C est strictement positif, hein. Je vous l'ai dit. 2. C. X, tout sera. Alors il me manque PF1. PF2. Séparément. Et normalement je devrais pouvoir avoir aussi PF1 carré plus PF2 carré. Ça m'intéresserait de l'avoir aussi. PF1 carré plus PF2 carré. Alors, je vais chercher PF1, PF2, je ne sais pas où est-ce que je les ai mis. PF1, ouais, il est là, ils sont là. A plus C, AX. PF1. Attention qu'ici, je vous ai dit que le A, le C, il est strictement positif. Hein. Le C est strictement positif. Le C est positif et PF1 c'est celui-là de gauche. Ça c'est PF1, c'est le foyer de gauche. Foyer gauche, PF2 c'est par rapport au foyer droit. ST c'est strictement positif. Donc foyer gauche, il faut mettre un plus, mais il faut considérer que C est positif. Voilà, vous devez prendre le C positif. Par contre, celui-là. Le C est déjà positif à droite, hein, mais bon, il faut considérer que c'est C positif et mettre un point. Vous aurez, voilà, faut faire attention à ça. Voilà. Par exemple, le foyer de gauche, il est négatif, on le sait bien, mais vous devez prendre positif pour C, vous devez le prendre positif, vous le calculez avec C positif et puis vous mettez un plus. Donc en fait, ce sera un plus. C'est comme ça. Les calculs font
que vous avez ça. Alors, maintenant, je vais calculer f1 carré plus f2 carré. Et ça m'intéresse d'avoir ce résultat-là. Et puis, comme ça, j'aurai. Oui. Ce qui m'intéresse aussi, c'est pf1 carré, pf2 carré. Bon, ça, je l'ai déjà. Bon. Donc, j'ai pf1 plus pf2, pf1 moins pf2, pf1 carré moins pf2 carré. Je suis intéressé par pf1 carré plus pf2 carré. Et je vais vérifier. Et puis, je terminerai la vidéo avec ça. A plus c sera x. PF1 carré, c'est a plus c sera x. On va le mettre au carré. Celui-là, c'est avec un moins. Donc on va développer pour produit remarquable. Et je vais le mettre au carré. Et là, j'ai, bien sûr, avec une somme, puisque c'est la somme que j'évalue, c'est f1 carré. Non, c'est pf1 carré plus pf2 carré. Bon. Ce qui fait a carré plus 2, le a tombe parce que c'est a sur a, c x plus c carré sur a carré, x carré plus a carré plus c carré sur a carré, x carré moins 2 c x. Ces deux-ci vont tomber. A carré plus a carré, c'est 2a carré plus 2 c carré sur a carré x carré, ce qui veut dire qu'on aura 2 a carré plus c sur a carré x carré. Bah, on va regarder ça. Donc ce serait 2 a carré plus c sur a carré x carré. Voilà là. PF1 carré plus PF2 carré. Je vais faire ça tout de suite sur GeoGebra. Il suffit d'aller. J'ai la soustraction ici. Je vais faire la somme. Comme ça, je l'ai directement. 83,7. 83,7. 2 fois a carré plus. Alors le c, c'est 5, je ne sais plus combien, 5, 2. 5, 2, c sur a carré fois le x qui vaut 2,79. Là, j'ai pas tout à fait ça. Ouais, parce que c'est 2,79 au carré. C'est x carré. Et voilà, 83,7, donc c'est bon. Voilà, vous avez toutes des expressions par rapport à PF1, PF2. Vous les avez toutes ici. Bon, je sais pas pourquoi je l'ai mis. C'est 4CX. C fois x. Alors je vous rappelle que le c c'est faut savoir que c carré c'est a carré moins b carré parce que j'ai pris une ellipse ici avec le a plus grand que b, a carré moins b carré. Et vous avez tout ici.
Et donc, la définition était. Je suis parti de la définition. Voilà, à partir de la définition, je mets les distances. Voilà, je raisonne en termes de distance. Et je crée des équations pour trouver PF1, PF2. Et tout va se faire par rapport à ça. Ce sont des équations qui sont résolues, des bêtes de sommes et des différences. Mais j'intègre des carrés pour justement trouver la somme, la différence. J'intègre un carré là-dedans, mais une différence de carré. Et alors, grâce à ça, ben, j'ai la somme, la différence. J'extrais PF1, PF2. Et en PF1, PF2, j'ai des expressions de PF1, PF2. Donc j'ai l'expression de. Ce qu'il faut, ce qu'il y a, il faut faire juste attention à PF1, PF2. Je vous ai dit, il faut prendre ces positifs et prendre le plus. Ce sera, vous allez avoir la distance de gauche et prendre le moins, vous avez la distance de droite par rapport au foyer. Et là, quand vous avez fait tout ça, on peut trouver l'équation de l'ellipse en mettant PF1 carré. Il y a deux expressions de PF1 carré. Vous les égalez parce qu'il y en a une qui est explicitement prise en x et l'autre qui est en x et en y. Donc elle va relier, si vous voulez, tout ce qui est x et xy. Voilà. Par l'intermédiaire, bien sûr, vous aurez compris d'un triangle rectangle. Parce que non, ce sera le carré pur de l'hypoténuse et l'autre, ce sera le carré de ce côté-là, plus le carré de ce côté-là. Ben, vous égalez et vous allez trouver l'équation de l'ellipse. Parce que d'un côté, là on aura. Si vous prenez ces deux côtés-là, ça sera donné par rapport à XY. Par contre, celui-là, il est. Voilà, c'est PF1 carré par rapport au foyer. F1, PF1 carré. Ben, il sera donné uniquement en fonction de X. Et si vous reliez les équations par Pythagore, vous allez avoir des X et des Y qui vont intervenir. X et des Y. Donc, je peux trouver l'équation de l'ellipse, plus toutes les relations qui relient PF1, PF2, c'est-à-dire leur somme, leur différence. Et à partir de là, je peux faire ce que je veux. Connaissant PF1, PF2, je peux faire PF1 fois PF2. Je peux faire PF1 fois PF2. Voilà. Bon, si je me suis arrêté au carré de PF1, PF2 carré, ben je peux faire PF1 fois PF2. J'aurai de nouveau une nouvelle relation. Donc je peux tenter de le faire. Bon. Là. Oui, donc j'aurais de l'exposant en 4. Excusez, voilà, je peux faire PF1 fois PF2. Je peux faire PF1 divisé par PF2 et voir toutes les relations qui existent entre PF1 et PF2. Et PF1, c'est de P au foyer. PF2, c'est de PF2. Donc je peux faire PF1 divisé par PF2. PF1 fois PF2. Bon, je ne l'ai pas fait ici, faites-le. Regardez que ce que ça peut donner. Voilà. Mais c'est intéressant quoi, pour d'avoir des résultats comme ça. Faites-le, ça vaut la peine. Parce que les études, c'est pas uniquement. Les études, c'est pas forcément des études. Hein. Faut un petit peu manipuler aussi ce qu'on vous donne. Hein. C'est pas que. Bon, ce n'est pas que gober et restituer. Voilà. C'est comme quand vous mangez, vous allez aux toilettes. Bon, vous mangez tout ce que vous ressortez, mais. Ça pas comme ça. Hein. Bon, on mange, c'est pourquoi? C'est pour travailler, c'est-à-dire pour avoir un petit peu de force pour travailler. Donc on mange pas pour aller forcément aux toilettes. On mange pour avoir des forces et pour travailler. Et puis bon, si on doit aller à la toilette, on va à la toilette. Mais bon, on vit pas pour manger à la toilette. Hein. On vit parce que voilà. Et si c'est pareil, si vous faites des études, c'est pas ingurgiter, restituer. C'est pas une question de ingurgiter, restituer, il faut faire aussi parfois des petites manipulations à soi-même. Je veux dire, en tant qu'étudiant, les étudiants des écoles ou des universités, même à l'école, il faut manipuler tout ça. C'est pas qu'une question que le professeur a dit que, lundi j'ai un terreau que, bon, il faut que j'étudie que. Bon, ça va pas comme ça. Hein. Il faut savoir un petit peu s'intéresser et manipuler les choses. Bon, un étudiant, ou même un élève d'école secondaire doit manipuler tout ça. Quand il fait une étude de l'ellipse, ben, il doit aller un peu plus loin, il doit s'interroger, se poser des questions, il doit manipuler certaines choses, voir de lui-même, faire de l'observation, calculer, s'intéresser. Donc ici, le prof lui donne, oui, la PF1, PF2, pourquoi il ne s'intéresse pas à faire PF1 fois PF2? Pourquoi il ne s'intéresse pas à faire PF1 divisé par PF2? Pourquoi il ne s'intéresse pas à faire la racine carrée de PF1? Et ainsi de suite, il manipule. Il manipule et regarde les expressions que ça peut donner. Voilà. Et ça, c'est s'intéresser, je veux dire,
à ce que, je veux dire, à son cours, ça s'intéressait à son cours, mais ça allait aller au-delà de ingurgiter, restituer. Les études, c'est pas que ingurgiter, restituer. Il faut faire, comme je vous ai dit, des manipulations qui vous permettent de voir, de faire des observations, des petites découvertes. C'est des petites découvertes que vous pouvez faire, ça. C'est des petites découvertes. Et vous allez, normalement, vos études sont censées vous faire découvrir certaines choses, apprendre à apprendre, bien sûr. Les études vous apprennent à apprendre. C'est-à-dire que quand vous serez face à un problème, c'est d'étudier ce problème-là et de trouver une solution face à ce problème-là par l'entremise bien sûr, de l'information, parce que vous allez chercher de l'information à droite, à gauche, vous allez vous renseigner, vous informer, collecter les données, les mettre en place, voilà, les traiter comme un ordinateur, en fait, comme un ordinateur fait. Et à ce moment-là, vous allez tirer des conclusions, vous allez faire des manipulations, vous allez faire toutes sortes de choses. Donc les études apprennent à apprendre. On vous donne pas tout. Voilà, tout ce que vous voyez ne va pas être utilisé dans votre vie. Donc à ce moment-là, elle vous apprend, les études vous apprennent à apprendre. Mais apprendre à apprendre, c'est pas ingurgiter, restituer. C'est aussi manipuler de par vous-même, sans que le professeur demande quoi qu'est-ce. Il faut pas attendre que le professeur vous donne des devoirs ou des interrogations pour commencer à manipuler et faire d'observations, voilà, voir ce qui s'y passe, hein. Parce que bon, ça c'est des études qui riment, ça rime presque à rien, parce que ça veut dire que celui qui a la plus grosse tête pour mémoriser, c'est lui qui va réussir le plus vite, parce qu'il ingurgite plus, donc bon, il peut restituer beaucoup plus, voilà. Donc si on demande d'ingurgiter, restituer, ben, il va ingurgiter le plus, parce que c'est celui qui a la plus grosse tête. Et là, il y a, on va dire, une discrimination, voilà, à la capacité de. C'est comme un condensateur, hein, condensateur. Chacun aura sa capacité de mémorisation. Mais je veux dire, il y en a qui ont une plus grosse mémoire, une faculté de plus grande mémorisation, donc il sera avantagé. Donc c'est pas comme ça. Les études, ça va pas comme ça. Les études, c'est un peu de tout. C'est de la sociabilité, c'est du raisonnement, c'est de raisonnement, de l'étude. C'est de la restitution, c'est de la création, c'est toute une panoplie d'objectifs qui sont mis en place par la pédagogie, hein. C'est pas uniquement restituer, ingurgiter, restituer, loin de là. C'est loin de là, c'est participer à des événements aussi associatifs, c'est faire des réunions. Des réunions d'information, des réunions. C'est une vie sociale. C'est une vie sociale, mais c'est aussi des études, mais c'est aussi manipuler, c'est aussi participer à des laboratoires, c'est aussi, voilà, manipuler de par soi-même et pas forcément que le professeur attende de vous que vous manipuliez, voilà, une de ces manipulations. C'est à vous aussi à faire de la manipulation. Et voilà. Et donc ici, rien ne vous empêche à vous de calculer PF1 fois PF2. Et PF1 divisé par PF2, pourquoi pas? Même faites racine carrée de PF1. Prenez le cosinus hyperbolique de PF1. Manipulez, regardez qu'est-ce que ça donne. Bon, peut-être que vous ferez une découverte, je sais pas, bon, que personne n'a trouvé, pourquoi pas? Parce que si vous vous intéressez, que personne ne s'est intéressé à ça, et que vous êtes intéressé, peut-être que vous trouverez quelque chose, une relation un peu spécifique. Voilà, donc en fait, ça se passe comme ça. Je vous remercie.